Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit point sur les options de la voiture, donc de la Logi Advance. Donc comme vous pouvez le voir, s'il y a écrit 15 350 euros, moi je l'ai payé 17 000 euros. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour passer en revue les options, puisqu'on me l'a demandé, les options de toutes les options de la voiture. C'est un document qui m'avait été remis le jour de l'achat avec les équipements de série et ensuite les options qu'il est possible de rajouter et les accessoires disponibles sur cette voiture. Alors donc les trois appuie-têtes réglables, donc on les voit à l'arrière. Là ici il y en a un qui est levé alors que les autres sont rabattus, et sachant que ceux des voitures, des places avant sont également réglables en hauteur. Donc cette place, hein, ça je vous l'ai montré dans les autres vidéos, on peut voir que il y a donc trois places, deux places à l'avant, trois places au milieu et deux places derrière. Donc airbag, alors aide au freinage d'urgence, alors ça je peux pas vous le montrer, airbag frontal conducteur, airbag passager, ça on peut le voir ici, airbag latéraux avant thorax, alerte oubli ceinture conducteur et passager, oui effectivement ça sonne quand on roule à plus de 15 km/h et que les ceintures ne sont pas attachées. Baguette latérale noire, alors là comme on n'a pas la fin du titre, je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond. Banquette arrière rabattable un tiers de tiers, hein, donc voilà. Cette partie-là de la banquette peut se rabattre comme ceci, alors que celles-ci sont fixes. Cette place-là et cette place-là vont de pair, alors que celle-ci peut se rabattre toute seule. Barre de toit longitudinale, hop, allons voir ça. Voilà les barres. Bouclier, ton carrosserie, cache-bagage amovible, alors le cache-bagage amovible. Voilà, ça c'est le cache-bagage amovible qui permet de ne pas voir ce qu'il y a dans le coffre. Caméra de recul, les radars fixes. Oui, alors là, voilà, la caméra de recul, on peut la voir. Donc là, on voit le radar, les radars. Voilà, et la caméra, on peut la voir ici. Cartographie France, donc le GPS, alors je l'ai déjà dit, il est vraiment pas mal, il indique les radars, etc. Alors là, moi je l'ai toujours à 90, je ne sais pas si la limitation de vitesse des cartes à 80 est disponible sur la nouvelle version. J'irai voir un de ces jours, je vais aller le mettre à jour, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ceinture arrière 3 points, eh bien c'est la ceinture du milieu qui part d'au fond, là-bas on la voit, et qui vient se clipser à deux endroits. Climatisation manuelle, ça se passe par ici, c'est le petit bouton ici. Condamnation centralisée à distance, donc là la clé. Condamnation des tours, des ouvrants et roulants. Custode de vitres pivotantes qui permet d'ouvrir les fenêtres, les petites fenêtres à l'arrière. Détection de la pression des pneus. Direction assistée, d'accord. Éclairage du coffre, bon, effectivement, il y a une petite lumière sur les côtés. Enrouleur ceinture avant réglable en haut. On peut monter et descendre cet enrouleur. Feu de jour, alors effectivement ce que je disais, les feux de jour sont toujours allumés, c'est des feux diurnes. Fonction Eco Home, c'est un petit bouton qui se trouve ici, là, et quand on l'allume, alors on ne le voit pas bien, mais le petit écho est allumé ici, qui permet de rouler avec des économies d'énergie. Indicateur de changement de vitesse, effectivement, donc quand on est en sur-régime, il y a un petit indicateur qui apparaît sur la gauche sur la gauche là-bas là, qui nous indique avec une flèche vers le haut pour changer de vitesse vers le haut, sachant qu'il n'y en a pas vers le bas. Jantes design expression, on dirait des jantes alu malheureusement, ce sont des jantes en plastique. Lève-vitre avant électrique, lève-vitre arrière électrique, voilà, bon, tout peut se contrôler d'ici et on peut empêcher les places arrière de remonter et de descendre les vitres électriques. Ordinateur de bord, donc c'est celui-ci. Avec une prise USB ici qui permet de recharger les téléphones notamment. Peinture opaque, donc c'est la peinture bleu nuit. Plafonnier arrière, c'est une petite lumière qui se situe à l'arrière. Poignée d'ouverture extérieure noire, d'accord. Poignée intérieure mat chrome, voilà ce que c'est. Projecteur anti-brouillard, donc on peut les activer. Rangement et accoudoir, rangement plus accoudoir troisième rangée. Ce qu'on appelle rangement et accoudoir troisième rangée, donc c'est quand lorsque les sièges sont basculés, il y a, les passagers peuvent poser leur coude, un gobelet ou il y a également des rangements là-bas. Régulateur et limiteur de vitesse, il se trouve ici. Limiteur. Régulateur, rien du tout. Rétroveilleur surveillance enfant, c'est celui-ci. Rétroviseur extérieur dark metal, c'est la peinture dark metal. Là, on voit pas grand chose, hein, parce qu'il y a de la poussière, mais c'est noir et ça, c'est bleu nuit. Les portières mat dont on parlait tout à l'heure. Satellite de commande sous volant, il s'agit de ça, voilà, qui permet d'augmenter le son, de baisser le son, de changer de mode de fonctionnement et
ici, je l'ai déjà montré je pense dans une autre vidéo, alors attendez, hop, la molette. Sellerie tissu black and white, blanc et noir, voilà. Siège avec ISOFIX, alors là ça, c'est très pratique, hein, ça permet de fixer tous les sièges bébés. Je précise qu'il y en a sur les trois places. Siège conducteur avant réglable en hauteur, oui. Alors, oui, oui, oui. Donc, il y a cette poignée là qui permet d'avancer et reculer le siège. Et cette poignée là qui permet de monter et descendre le siège. Stop and start. Dans les options. Cartographie Europe de l'Ouest, alors ça je ne l'ai pas. Alliant jante alliage 16 pouces, je ne l'ai pas non plus. Peinture beige dune, on en voit quelques-unes. Peinture métallisée, je l'ai. Roue de secours et cric, je l'ai également. Ah, c'est peut-être pour ça qu'en fait, en plus des autres options, le prix a augmenté. Siège avant chauffant, je ne l'ai pas. Autres options qui sont disponibles, accoudoir avec rangement. Là c'est un accoudoir sans rangement. Je vais l'enlever d'ailleurs, hop. Aide au parking arrière, bon là moi je sais pas pourquoi, j'ai quand même un bip bip et la caméra du coup ça va. Aide au stationnement avant, je le regrette, j'aurais dû la prendre. Alarme, je n'en ai pas besoin. Alarme véhicule sans verrouillage central, antivol, venteur ni alliage, barre de toit en acier, cabochon d'acier dark metal, selle mécanique, je ne sais pas ce que c'est. Coffre de toit rigide, bon alors ça c'est pour ceux qui ont beaucoup de bagages. Déflecteur d'air avant, on n'en a pas. En base de coque enfant baby safe, en base de coque baby safe plus. Non, ce n'est pas assez cher, hein, 230€. Voilà, extincteur, filet de rangement horizontal et vertical. C'est vrai que ça serait pas mal. Grille de séparation, on n'en a pas puisqu'on c'est surtout pour les gens qui ont des chiens, hein, j'imagine. Housse de protection carrosserie, housse de siège, on n'en a pas. Ça coûte combien? Ouais, 100€, 101€. Kit de câblage pour caméra de recul, kit caméra de recul, organisateur, enfin bref. Voilà, nous ce qu'on a c'est la pack attelage Zessim 13 Logi pour accrocher les vélos notamment. Pack évasion musique, focal musique premium. Et on note que le... Focal musique est à 898€. Et le pack transport 3 vélos. Alors j'avais hésité à le prendre, mais j'ai vu qu'il y en avait des un petit peu moins chers. Mais en plus, il nous en faut un pour 4 vélos. Du coup, là, mais quand même un 1090€. Et voilà, et pack vie à bord et pack vie plus. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous voulez que je vous envoie cette liste par mail. Et puis, bah voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.